Brave gens d'Aime, cette histoire vous concerne. Voici Disque dur, la mémoire vive d'un passé lointain dont il fut le seul témoin. Il vient vous ouvrir le grand livre de l'histoire de la basilique Saint-Martin. Suivez le guide. Il est dans ce pays un étrange comparse, animé, je vous dis, d'une singulière audace. Habitant clandestin depuis la nuit des temps, il tisse le destin de l'été au printemps. Et son cœur bat sous la peau du tambour, dans le rire des enfants et leurs yeux de velours. Dans le flot de leur menthe, ils murmurent les prières. Depuis plus de 1000 ans, les gens de cette terre. Ok, moi, je vais me cacher la première. Moi, je compte. Allez, allez. Oui, vous êtes cachés. Reste, allez, couvre. Mais cachez-vous. Après, il y a 4. À 4. Mais c'est mon histoire, c'est mon film. Il me vole la vedette. Oh, la basilique, elle parle. Personnage, attention. Mais moi... Enfin tranquille, je vais pouvoir vous raconter mon histoire. En l'an de grâce 1014, des moines venus d'une vallée voisine ont décidé d'y construire un prieuré. Pas étonnant qu'ils aient repéré le coin, c'est si beau ici et on y est si bien. Regarde cette belle pierre. Tu crois que c'est les Romains qui l'ont taillée? De la belle ouvrage. Arrête de patrouiller, passe à moi. Hé, hey, Toudou, tu vas penser lourd? Qui a pu t'en m'aider? Plotop, pas besoin de la trifouiller. Reste plus qu'à la poser sur le mur. Pardon si flottement j'arrive. Mais monter là-dessus, je trouille. Fais attention, laisse pas choir la pierre. Mais la pierre elle est lourde, hein. Et oui. C'est très bien doux. Oh, oh la buse. Oh là là. Faites la balle pour nous, on connaît le métier. Je suis l'un des premiers prieurés à être construit dans le style roman, dédié à Saint-Martin et consacré par l'évêque. Il est dit que ce saint homme est passé dans notre vallée en... En 350. Oui, oui, je me souviens. Je suis fière de porter son nom. Vous savez, je dépendais de l'abbaye bénédictine de Saint-Michel de la Cluse et une bonne dizaine de moines ont quand même vécu ici. Ah
Ah, quelle vie pour ces moines! Imaginez-vous, levé à 3 heures du matin, journée rythmée par 7 prières, et les travaux à la ferme et la queue des voyageurs. Hé, hey, viens goûter le bon lait de la Marguerite. Dieu te bénisse, frère Romaric. Dieu te bénisse, frère Golsen. Que vas-tu nous faire à manger avec les légumes que je t'apporte? Une bonne soupette. Oh, une bonne soupette, oh, c'est magnifique. Vous mangez toujours pareil. Et attention, la péage, attention, ça bouchonne là, hein. Oh là là. Normal, mais ça me dit. Fulbert, mon ami, passez-moi le carte. Oh, chère Émérance, arrêtez donc de fatrouiller. Et rappelez-vous, on a le badge. Mais oui, très cher. Où avais-je le thé? Allez, poussez votre chariot ou je vais vous estriller la couenne. Ça fait des lustres que je poirote et j'ai réservé à l'auberge Saint-Martin. L'auberge Saint-Martin, un ou deux écuelles, pour sûr que ce n'est pas une gargote pour la populace. Oh bah dis donc, il a une belle dame et une belle bourse. Que nenni, passez donc votre chemin. C'est si froid et puis si faim. Le voyage était si long. Allez, courage, courage, demoiselle. Nous sommes arrivés. L'auberge est bonne et vous pourrez faire connaissance avec des jouvenceaux de bonne famille. Bienvenue, mes frères. Je suis le frère Childebert. Entrez, entrez. Je suppose que vous venez de loin. Oui, oui, d'un pays tout plat, là-bas dans le nord. La marche y est bien plus aisée que dans vos montagnes. Prenez place, mes amis. Oh, fait bon chaud ici. Et ça sent bon. Oui, ce soir, vous allez vous régaler de la tourte au pois nouveau, de la grovire. Notre bon tome débute et, pour arroser le tout, un bon pâché. Comme elle est chaleureuse, cette auberge, profitons-en, car la prochaine étape sera rude. Ah oui, ah oui, c'est l'hospice du petit Saint-Bernard. J'ai ouï dire qu'il y avait des fredins sur le chemin qui détoussent les pèlerins et même qu'il fallait bâtonner des loups qui s'approchent de trop. Oui, et en plus,
Il faut prendre garde au creux des morts, où les avalanches projettent les pèlerins dans le précipice. Enfin, tu arrives. Je suis éreinté. Allez, viens te mettre au chaud. Salut les gens, moi c'est Martille, et je viens de Lombardie. Bonsoir les amis, je suis le frère Romaric. Bénissons Dieu pour ce repas et rendons grâce. Avez-vous déjà cheminé jusqu'à Jérusalem? Oui. Un chemin du feu éclairé, un étau tourne, 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 tourne. Aussi désormais je prends mon jour. J'étais si belle damoiselle, voilà ce que les hommes ont fait de moi. Tout est allé si vite, quel malheur, quelle déchéance, on ne me respecte plus. Mes bas-côtés sont tombés en ruine, ils ont muré mes arcades. Ma nef a été louée aux paysans. Heureusement, on m'a laissé mon cœur pour la prière. Louis XIV l'a transformé en hôpital de campagne. Les soldats se sont même permis de me profaner. Depuis ce nouveau chemin par la Maurienne, les voyageurs ont déserté ma vallée, sans parler des guerres et des épidémies qui ont décimé la population. Au fil du temps, les moines m'ont abandonné. Tiens, voilà Sieur Cressant qui arrive avec son fromage. Ma crypte sert de cave dorénavant. Ah, voilà toi. Ah ben, je veux te dire, vu que j'ai cette ruine, Grimadio, j'ai le meilleur fromage du pays. Grimadio. Thank you.
Oh, mon prince. Ma belle âme, qu'ont-ils fait de toi, princesse? Vous êtes son sauveur, il est dans son cœur. Un diamant, venez voir. C'est là? Oui, oui, c'est là. Des fresques? Mais de quelle époque? Du 12e siècle. Il faut impérativement lancer des fouilles. Oh, monsieur Montréal, venez voir. Il y a un deuxième mur dans la nef et avec une fondation plus profonde. C'est quoi? C'est des débris noircis. Église du 5e siècle, elle a brûlé. Fouilles découvertes, vestiges romains. Quand les recherches seront terminées, je m'occuperai du classement de ce joyau comme monument historique. C'est grâce à mon prince Borel que j'ai retrouvé une nouvelle jeunesse. Faut dire que les Aimerins m'aiment bien et qu'ils me bichonnent. J'ai 1000 ans aujourd'hui. Il est dans ce pays un étrange comparse animé, je vous dis, d'une singulière audace. Habitant clandestin depuis la nuit des temps, il tisse le destin de l'été au printemps. Et son cœur bat sous la peau du tambour, dans le rire des enfants et leurs yeux de velours. Dans le flot de leur menthe, ils murmurent les prières depuis plus de 1000 ans des gens de cette terre. Nul n'a croisé son chemin, pourtant il vous prenait la main. Oh, oh, yé, brave gens d'aime, c'est lui ce vent de bonheur. Ce pays, un étrange comparse animé, je vous dis, d'une singulière audace. Un jour tombé du ciel, d'une étoile lointaine, oyez, braves gens d'âme, cette histoire vous concerne. La 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 la